Bonjour à tous les amis, je suis content, réellement content de vous parler d'un livre qui fait succès en ce moment et on va expliquer pourquoi il fait tant de succès. Et c'est plutôt rare sur la chaîne et je sais que ça marche très bien quand je parle de bouquins, contrairement à des objets ou à du matériel caméra. Alors ce livre, c'est celui-ci, vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux, il parle beaucoup de lui, le manuel de survie du vidéaste, Les Bidouilles de Ludoc, donc c'est écrit par Ludoc. Alors Ludoc, qui c'est? C'est un réalisateur que je connais depuis presque maintenant 10 ans, avec qui j'avais déjà travaillé plusieurs fois avec lui, qui est un réel petit génie puisque c'est quelqu'un qui a su, avec trois fois rien, faire beaucoup de choses. Et en fait, ce livre repose sur cette phrase. Avec pas grand-chose, on fait des belles choses. Voilà, donc, c'est un livre qui est magnifique parce que c'est un livre qui s'adresse sur une population de, on va dire, de filmmakers. C'est pas un livre pour chef opérateur, même s'il y a des choses très, très intéressantes, mais c'est un livre pour filmmakers, pour les personnes qui veulent maîtriser tout l'aspect technique. Ça va du son, au découpage, au montage, aux effets spéciaux, etc., à la caméra et à la lumière. Et c'est un bouquin qui est superbement bien fait. Déjà, il est propre, il sent bon et il est très joliment décoré, illustré, etc. Et il y a plein d'explications. On le considère même comme une bible, c'est-à-dire un livre où on pourrait trouver toutes les solutions à nos problèmes et même trouver des solutions quand on n'a pas d'argent parce qu'on vous explique comment fabriquer votre pied lumière, votre perche, etc. Il y a plein de choses intéressantes et surtout, c'est expliqué de façon claire, illustrée. C'est un véritable bonheur de lire ce livre car on peut dire aujourd'hui en 2020 c'est le seul livre qui parle concrètement du matériel sur le terrain et d'avoir une telle polyvalence pour expliquer comment on peut faire avec si peu d'argent. Comme je disais, c'est un livre de terrain parce que c'est un réalisateur principalement de vidéos YouTube et de web série et qui explique avec un minimum de temps comment gagner du temps. Voilà, et voilà, donc c'est un livre qui vous expliquera en gros par le montage, par le tournage, par le choix du matériel, du choix du matériel son, comment arriver à faire de la qualité. Et ça, c'est important parce que la qualité aujourd'hui, c'est certes une question d'argent et de budget parce que évidemment il n'y a pas de secret, mais c'est aussi une question de savoir. Et je trouve que ce bouquin répond parfaitement à la demande. Voilà, donc je vous le rappelle, c'est le manuel de survie du vidéaste par Ludoc dans les éditions Marabout. Bien évidemment, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à le commander, il n'est pas trop cher. Franchement, c'est un livre à mettre sur vos étagères, surtout quand on commence et particulièrement dédicace aux filmmakers et à ceux qui se démerdent malheureusement ou heureusement tout seuls. Voilà, c'est quelque chose qui est super utile. On se retrouve à bientôt. Mettez un petit pouce bleu rien que pour la vidéo, c'est sympa. Et moi, je vous dis à plus. Ciao.